Président parti haïtien tête calée APHTK Liné Baltazar sorti dans silence pour lui prendre position sous crise actuelle qui a ravagé pays d'Haïti depuis après la mort président Jovenel Moïse. Ivan qui c'est président Colombie t'a apporté un démenti formel ensemble avec quelques informations qui a circulé faisant croire que pays Colombie était au courant de ça qui pral passer dans pays d'Haïti. Ça fait quelque temps que le secteur démocratique lui-même était focus pour te faire comprendre pas gagner élection, pas gagner cohabitation ensemble avec président Jovenel Moïse et pas gagner pièce accord politique tout qui capre ensemble avec président Sila. Sauf que Kounyala, et bien secteur démocratique lui-même lui a demandé pour gagner un consensus politique, une façon pour retirer pays d'Haïti lui-même dans crise que lié actuellement là. Après que comité pour organiser enterrement président Jovenel Moïse lui-même était fini formé jeudi à la et bien un CSPN qui fait une façon pour présenter chaque grand membre qui fait partie du comité Sila. Président vénézuélien Nicolas Maduro lui-même pas mettre dos dans bouche pour lui accuser la Colombie ensemble avec les États-Unis comme quoi yo t'a participé ou bien t'a au courant de Zach assassinat ça qui t'a pas fait sous président Jovenel Moïse. C'est autre information ça que nous porter pour jeudi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la rubrique information ça. Ou même qui que tu veux sur chaîne, n'a mando pour abonner. Et ou même qui te gete abonné déjà, n'a mando pour continuer like, commenter, partager. Yo façon pour aider nous bousquer puis bon information pour toujours. Pas oublier, si vous abonnez, faut que cliquez sur cette cloche notification. Yo façon pour pas perdre du pièce. L'autre vidéo qui gagne pour venir là. Notamment, matin, avant que nous te commencé édition nouvelle loi, nous te fait nous comprendre exactement que pays la Colombie t'a demandé pour ta rapatrier trois corps colombiens qui arrivaient mourir en bas de la police, mais aussi yo t'a demandé pour yo ta voyer pressé 18 colombiens sa yo que yo arrivé arrêté. Eh bien, nous portons une petite rectification pour une information si là. Eh bien, la Colombie lui-même lui seulement demandé pour yo faciliter accès ensemble avec agent consulaire li yo ki nan pays d'Haïti pour yo ta kawè 18 ex militaires sa yo que yo arrivé emprisonné après que yo ta fin suspect que yo ta participé nan zak assassinat sa qui fait sous président républicain Jovenel Moïse. Liné Baltazar, qui c'est président parti haïtien tête calée, et bien, après que président Jovenel Moïse lui-même lui arrivé mourir, ça fait exactement plus de 6 jours maintenant, lui décide de parler pour le faire comprendre que Claude Joseph lui-même lui pas une pièce capacité, lui pas une pièce légalité pour lui a diriger actuellement là la primature ou bien pour lui ta former gouvernement dans tête pays d'Haïti. Lui fait comprendre que élection pas ka organisé dans pays là actuellement là si toutefois pas gagne un gouvernement provisoire qui mettait sous pied puisque Claude Joseph lui-même lui pas gagne qualité pour lui convoquer peuple haïtien pour yo taka arriver faire quoi que ce soit. N'a rappelé que depuis après la mort président Jovenel Moïse, Claude Joseph, premier ministre pour un petit bout de temps qui était remercié président Jovenel Moïse, c'est lui-même qui a dirigé pays à la plusieurs CSPN faites durant jour ça yo dont en conférence de presse qui baille jodi à la yon façon pour yo ta présenter 7 membres qui gagne pour organiser enterrement présidentiel. N'a pas fort connait que 359 millions d'après les dires qui t'a dépensé pour enterrement si là lui-même lui t'a arrivé organisé sauf que France Exatus qui c'est secrétaire d'état à la communication t'a fait comprendre que lui-même lui pas jamais fait un tweet comme ça n'a bon vive conférence de presse qui baille jodi à la une façon pour organiser enterrement président. Journaliste qui est présent dans l'occasion de la presse matin, des confrères de la presse locale, la presse internationale, qui était toujours là depuis la mobilisation gouvernementale, après les assassinats qui ont fait sur le président républicain, son excellence, Jovenel Moïse. Alors, ça qui est réuni le matin, c'est une présentation officielle, personnalité qui composait, comité, commission de travail, préparer le funérailles nationales
pour le président de la République qui mourit dans la condition, nous sommes dans la 26 ou 27 juillet qui sont passés là. Première précision qui est importante pour faire, bien plus les frustrations pour des amis la pression, qui beaucoup ont l'occasion véritablement de poser des questions échangées avec l'autorité. Et la comprendre que son enquête qui est sensible, bien éléments d'information autorité a collecté, vérifié ou vérifié. Donc, PMNA, tout le monde peut être là pour nous. Prochain rendez-vous que la presse a pris l'occasion de poser des questions. Parce que l'autorité a travaillé sans relâche, et l'information n'est pas capable de faire tant que vous va vérifier à 100%. Je vais profiter de dire tout. Et France Exemple, secrétaire de la communication, va jamais faire un tweet concernant un éventuel budget qui est en lien avec le préparatif pour funérailles président. Je vais remercier tous les amis la presse qui est relève pour écrire pour vérifier. Parce que ni dans le moment ça, ni dans le temps passé, il y a un peu de monde qui a fait des informations, qui a fait intoxication. Je suis accessible tout le temps. Je vous invite à continuer toujours à vérifier avec vous. Je vais passer la parole, je vais introduire et présenter gentille personnalité qui va travailler pour préparer le chef d'État. Et il y a bien un tour pour d'autres personnalités, d'autres institutions, venir pour des expertises pour que le président joigne le funérail national qui dit dans le rôle comme président de la République. Maintenant, objectif, comme ça, c'est pour nous présenter nous. Comité qui va bien pour organiser le funérail national président Jovenel Moïse. Bien sûr, en accord avec Madame la Présidente, la presse première. C'est effectivement en accord avec Madame la Présidente, première, le comité sacré a arrêté. Pour mission organiser dans le respect dignité et solennité funéraire chef d'État. Sur instruction du conseil de mission, le comité s'adresse prend toute disposition pour bien réaliser la mission. Avec l'administration du Vital du Bay, comité a toute collaboration nécessaire pour accomplir la mission. L'État veut mettre tout moyen en main pour comité ça pour faire travailler dans le respect de la République. Jean, secrétaire d'État, ce qu'il là, gagné. Mais vérité a toujours essayé de gagner communiquer avec nous presque chaque jour. Sur ça que nous avons fait depuis après la mort tragique du président. Mais nous avons une institution, si vous voulez, qui fait partie du comité ça. Donc, chaque fois que c'était non, il n'y a pas avancé. C'est le ministre Affaires étrangères actif là, et donc c'est bon. C'est le ministre Défense qui a avancé. C'est le ministre qui est dit à la communication, et bien sûr, il n'y a pas avancé. C'est le ministre intérieur. À la collectivité. C'est bien sûr directeur cabinet président de l'UNA que on est avancé. C'est secrétaire général présidence. On est avancé. Il n'est pas là, il n'est pas là. Directeur général de Panama. Les Haïtiens, comme actionnaires, demandez-nous pour nous accompagner
comité ça. Participer dans la cérémonie hommage qu'a organisé dans mémoire président une façon pour l'aller dans l'honneur. Jean Noël là, c'est un énième point de presse qui baille dans le pays à côté. Nous remarquons la présence Mathias Pierre. Mathias, c'est même li pa jam pas présent dans la conférence de presse. Sauf que li pa jam gen an yen li abdi depuis la mort président Jovenel Moïse. Mathias, li même qui pas de peur pour te faire comprendre que l'élection a organisé normalement dans la fin année 2021 là, puisque fok pays a li même li gen yon président qui a vin dirige le zafè transition ça. Fok yo tabliel normalement. C'est ça qui fait que KEP a lui-même li décidé pour lui continuer ensemble avec inscription et puis confirmation parti politique yo qui voulait participer actuellement là dans l'élection qui gagne pour fête dans le pays d'Haïti en façon pour désigner yo nouveau président. Tel était le souhait du président Jovenel Moïse qui pat arrivé pour diab getan organisé. Élection en de pays, mais tout matériel pour te faire référendum à l'élection, yo te getan commencé rentrer en de pays, qui donc moun yo même yo décidé pour yo faire yo continuité ensemble avec organisation élection si la yo. Sauf que n'a rappelé que les États-Unis li même li campé ensemble avec Claude Joseph dans situation si la qui s'est organisé élection puisque pays li même li besoin yon nouveau président pressé. Les États-Unis envisageaient faire yon intervention dans cadre et bien demande que gouvernement Haïti li même te fait ensemble avec yo pour te mande yo yon aide militaire yon façon pour yo taka gérer pays d'Haïti puisque là pays d'Haïti pa gen moun ki ap gérer le. Et bien malgré yo te refusé offre si là yo commencé réap analyser puis ouais est-ce que li pa tap possible pour yota fait militaire ça yo même yo rentré dans pays d'Haïti yon façon pour venir soutenir police nationale d'Haïti a Jean quelques agent FBI gete commencé faire déjà et que yo décidé y a pas continuer faire normalement. Président Joe Biden lui même t'a fait une déclaration sous genre de demande si la yo n'a pas entendu et puis n'a tourné. We're also closely following the developments in Haiti in the wake of the horrific assassination of the president that recently took place. Président Biden fait une déclaration sur Haïti. C'est la première fois que lui parlait de Haïti depuis l'assassinat. Mais qui ça, le président Biden dit? Il dit, n'a veillé de près développement en Haïti après l'assassinat président Moïse. Le peuple haïtien mérite vivre dans la paix avec sécurité. Fok leader politique haïtien yo kole tèt ensemble pour bien-être pays yo. Pendant week-end nan, mwen voye yon délégation expert au niveau en Haïti pour examiner situation et puis déterminer qui qualité support les États-Unis capable offrir. En tant que zami avec voisin Haïti, les États-Unis paraît pour continuer by assistance. Et président ajouté que li va gen pour di plus sous ça nan jou kap vini yo. Normalement, c'est comme ça, mais le président lui-même lui fait comprendre que les besoins qu'on a, qui genre de support que le pays d'Haïti lui-même lui a besoin, non mais États-Unis, puisque États-Unis c'est un pays ami, ensemble avec Haïti, il n'y a pas qu'à quitter Haïti. A pas péri dans genre de situation ça yo mais sauf que y a suivre pour yo ouais qui gens que ba yo a déroulé en Haïti. N'a rappelé que c'est pour la première fois que les États-Unis lui-même li a poussé pays d'Haïti pour yo joindre un accord politique. C'est pour la première fois que les États-Unis lui-même a mandé Haïti pour yo entendre pour moun yo entendre pour acteur yo mettre tête yo ensemble yon façon pour yo ka joindre yon solution ensemble avec crise qui commencé rentrer trop dans profondeur pays d'Haïti. Secteur démocratique et populaire, les gens nous connaissent qui toujours gagne en tête dans conférence de presse. Nenel Kassi, Marjorie Michel et maître André Michel, et bien, t'as fait comprendre que l'important pour moun yo fait yon dépassement de soi actuellement là. Puisque pays d'Haïti besoin moun qui a décidé ensemble avec sagesse. Moun qui a fait yon dépassement de soi, qui a oublié ça qui est passé, puisque faut que yon mette main
pour Haïti qui a avancé. D'après secteur démocratique, là, dans le pays, là, pas un gouvernement, pas un président, pas un rien, sauf que il y a un pilotage automatique qui a fait et que pilotage automatique, ça lui-même, il n'y a pas qu'à continuer à faire dans le pays. C'est ça qui fait que vous demandez puis vous mettez sous pied ami. Qui c'est autorité morale indépendante qui, d'après vous-même, a supposé composer de chaque grand monde qui sorti dans le secteur Sayo. Doisime, la presse, religieux et religieuse, patronal, ensemble avec université. Et mais c'est ensemble de monde Sayo qui t'a supposé mettre main ensemble là pour yo former autorité ça, yon façon pour yon ka travailler sous yon consensus, pour yon joindre yon accord politique pour retirer pays d'Haïti dans pilotage automatique ça que lié depuis 7 juillet 2021. À la mort du président de facto Jean-Yves, président Jovenel Moïse. Je fais comprendre que la population a fait preuve de sagesse dans ce genre de situation. Si là, pas de cause de camper goumé encore, pas de cause de déchirer l'un à l'autre encore, pas de cause opposition ensemble avec pouvoir. C'est une question de mettre tête nous ensemble, une façon pour nous retirer pays d'Haïti dans une situation difficile à compliquer ça que lié actuellement là. C'est un geste que secteur démocratique lui-même qui fait qui vraiment salutaire dans moment si là. N'a pas rappelé que maître André Michel Jean te compte toujours dit que c'est mécène Jean-Louis qui président pays d'Haïti, mais sauf que un bien maître André Michel lui-même lui fait un retrait sous mécène Jean-Louis côté lui fait comprendre que actuellement là pays a pas gagné ni président, li pas gagné ni gouvernement, c'est peuple qui pour arriver prend destin en main. Et on toujours focus tout sur ça, nous a dit que menace que Pierre Espérance, Maître André Michel, Marjorie Michel, Nenel Kassi, et quelques autres monde encore à recevoir en dans pays. N'a pas rappelé que il y a deux gros fiers, nous c'est qui Philostène ensemble avec Valentin qui a subi des menaces après que normalement il a participé ensemble avec juge là dans constat matériel qui t'a assassiné président Jovenel Moïse. Et bien Anag qui c'est Association nationale des greffiers haïtiens t'a mandé la justice pour yo faire yon façon puisque moun yo même yo obligé rete à couvert parce que y a recevoir de grosses menaces. Nicolas Maduro lui-même qui c'est président vénézuélien Jean nous connaissons qui était normalement à faire contre-carré ensemble avec Juan Guaido qui t'a autoproclamé tête comme président Venezuela et met à faire une grosse déclaration côté il fait comprendre que ni Colombie ak, ni États-Unis te connaît exactement que président Jovenel Moïse lui-même li pral mouri assassiné nan jou ki t'ap pral vini yo la. Sauf que yo fè un lobby pi yo comprendre que yo di moun nan ki t'ap parler yo t'ap parler espagnol et que yo ka vénézuélien. Sauf que vénézuélien ou même yo pat jam participé nan genre d'histoire sa yo ki gen rapport ensemble avec attaque président Jovenel Moïse. Bien que n'a pas rappelé que président Jovenel Moïse lui-même il était viré d'Obaï Nicolas Maduro quand il était arrivé à pas soutenir président autoproclamé Juan Guaido. Malgré ça, Nicolas Maduro lui-même senti que il touché par la mort président Jovenel Moïse et il fait comprendre que très bientôt là a gagné preuve qui a confirmé que la Colombie ensemble avec les États-Unis te connaît exactement qui ça qui t'a pral passé en Haïti. N'a pas autant de Nicolas Maduro. Une balle, 16 balles. Un crime horrible. Dans le premier moment, les médias internationaux, depuis Miami, Colombie, ils ont essayé de mettre Venezuela dans Zaxa. Agence nouvelle, ils ont commencé à dire que c'est un Vénézuélien. Ils ont commencé à construire une manipulation. Un faux positif, c'est comme ça qu'ils ont dit le Colombie. Tout le bagage, il faut nous analyser très bien. Toutes ces choses, il faut les analyser stratégiquement, siempre. Eso fue el primer día del asesinato. Ça c'est premier jour assassinat. Al segundo día, deuxième jour, bien bonnet le matin, peuple haïtien à Port-au-Prince sorti dans la rue, il a arrêté maré, il a parti na haute matériel assassinat président. Image ça fait nous songer les vénézuéliens étaient dans chaos Venezuela. Ils ont capturé mercenaires qui étaient venus tuer en mai 2020. Fue el pueblo de Haití también, valiente e histórico, que salió a las calles a buscar a los asesinos. Pep voyant, Haïti fait même bagay là. Léo sorti à le chercher assassin. Et dans mi-temps journée, nouvelle la te gaye, moun yo capturé yo, c'était mercenaires colombiens. Après ça, yo capturé quelques autres dans l'ambassade Taïwan. Et on l'autre groupe na yo,
et un autre groupe dans un cas dans Port-au-Prince. Au total, c'est 28 assassins. Et 26 là-dedans, c'est mercenaires colombiens. Parmi eux, ils ont été jugés dans le tribunal de paix pour crime et assassinat que les Colombiens auraient les faux positifs. Malgré la jeunesse colombienne, n'a dit c'est pas ni faux positif, c'est crime yoé dans l'époque Uribe et puis Cunha dans l'époque Duque, ancien actuel président colombien officiel qui a gagné interdiction pour quitter le pays. Et chancelier Colombia, ben, au passeport permettait de sortir Colombie. El gobierno de Colombia. Le gouvernement colombien était bien connu et au courant des préparations crimes en Haïti. Le gouvernement colombien était connu et faut qu'il reconnaisse ça. Parce que un groupe 26 militaires colombiens pas qu'à quitter le pays avec passeport dans main dans une opération dans Caraïbes là, service intelligence Colombie pas qu'à pas au courant et gouvernement américain Joe Biden, agence intelligence américain CIA, NCA, FBI doit connaître mouvement mercenaires parce que c'est à Mayo en Floride qui ont entreprise qui gagne pour sig cut des militants dans la droite vénézuélien extrémiste ami personnel Leopoldo Lopez opposant Maduro à Juan Guaido qui sié et trahiro qui embauché mercenaires et qui dirigeait depuis Floride l'assassinat président Jovenel Moïse dans la République nous remet en Haïti. Fiscal général, commissaire gouvernement, défenseur droits humains, c'est ça qui sorti dans le premier élément d'investigation. Normalement, c'est une déclaration ça que Nicolas lui-même lui arrive fait. Eh bien, président colombien lui-même lui pat rete chita, Ivan Duque pour te faire comprendre que rumeur ça qui a circulé que pays Colombie a participé dans assassinat président Jovenel Moïse, eh bien, ce sont des rumeurs qui tout à fait fausses puisque il t'a fait comprendre que il a participé dans une rencontre qui t'est faite dans Miami dans l'année 2018 côté te gagné recruteur mercenaire ça qui c'est yon vénézuélien qui relait Antonio Entriago, et bien lui-même li pa gen rien pour ensemble avec Rancotsa qui t'est faite dans États-Unis dans l'année 2018 qui t'a gagné pour ta recruter mercenaire Silao. République Dominicaine, et bien Luis Abinadel lui-même li renforce dispositif de sécurité et côté li siégé et côté li abdomi après que président Jovenel Moïse lui-même li t'a arrivé perdu la ville dans domicile privé dans date 7 juillet 2021. Luis Abinadel fait comprendre que ça passé à Haïti, li pape permet li passer en République Dominicaine. Alors, li commencer serrer verroule, li commencer mettre sécurité le plus proche, yon façon genre dak ça yo pas arrivé commettre dans République Dominicaine. C'est toute information ça que nous déposé pour aujourd'hui. Merci d'être que continuer like, commenter, partager. Merci d'être que continuer à inviter yon famille ak yon zami rete connecté ensemble avec chaîne nan pou yo ka gagner bon information. Nous ba rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Bye bye.